Prenez une position confortable. Allongé si vous le souhaitez. Assis. Ou assis en posture de méditation. Positionnez votre main droite sur vos organes génitaux et votre main gauche sur votre sternum au niveau du cœur. Fermez les yeux. Et prenez conscience de votre respiration. Comment elle se dirige dans votre corps, comment elle bouge votre corps. Vous allez ensuite serrer un tout petit peu les deux mains, un tout petit peu, et poser votre conscience au niveau du contact entre vos mains et votre corps, la main droite avec les organes génitaux, la main gauche avec le cœur. Focalisez toute votre attention sur le contact entre votre main et votre corps. Qu'est-ce que ressent votre main? Qu'est-ce que ressentent vos mains? C'est chaud? C'est doux? C'est bon? C'est agréable? C'est câlin? Charnel, sensuel? Chaleureux, doux, cocon. Il ne s'agit pas de se demander qu'est-ce que vous ressentez. Il s'agit de se demander qu'est-ce que mes mains ressentent. C'est une perception, il n'y a pas de limite. On entre dans le corps perceptuel, dans le corps féminin. Il n'y a plus vos mains, vos organes génitaux et votre cœur. Il y a juste une perception. C'est chaud, c'est doux et c'est bon. Et vous allez laisser votre respiration couler à l'intérieur de ce chaud, de ce doux et de ce bon. Et sur la prochaine expiration, vous allez amener toute votre attention dans les organes génitaux. Sous votre main droite, légèrement contractée. Et en même temps que vous inspirez, vous allez sentir la vibration de la respiration, la vibration du chaud, du doux et du bon, monter vers l'autre main, vers le cœur. Et à l'expiration, vous descendez du cœur vers les organes génitaux.
Sentez le courant d'air chaud, doux, bon, passer d'une main à l'autre, des organes génitaux au cœur. Sentez la vibration entre les deux. Sentez le mouvement. Et gardez vos mains légèrement contractées. Bientôt, c'est toute une colonne de chaud, de doux et de bon qui existe entre vos organes génitaux et votre cœur, et votre respiration court, comme une rivière, comme un courant d'air de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. À la prochaine inspiration, vous allez imaginer le son SO et sa vibration frapper les organes génitaux et monter jusqu'au cœur. Et à l'expiration, vous allez imaginer le son HAM et sentir dans vos chairs la vibration descendre du cœur jusqu'aux organes génitaux. So en montant. Ham en descendant. Prenez le temps de ralentir la respiration. Prenez le temps de garder les mains légèrement contractées pour concentrer l'énergie dans les organes génitaux et dans le cœur. Prenez le temps de sentir les vibrations des sons venir bouger les chairs, bouger et mettre en mouvement le chaud, le doux et le bon. Vous pouvez augmenter la respiration, avoir une respiration plus puissante, plus concentrée, plus décidée, plus énergétique, plus dynamique. Et sentir que autour de cette colonne de chaud, de doux et de bon, autour de cette colonne de vibration du SO-HAM, c'est tout votre corps qui commence à vibrer, qui commence à être chaud, doux et bon. Chaque cellule respire en harmonie et suit ce mouvement de bas en haut et de haut en bas. Vous pouvez sentir l'énergie des organes génitaux s'éveiller, l'énergie du cœur s'ouvrir. Lent, profond, dynamique,
puissant. Et puis, tout doucement, vous allez déplacer votre main gauche vers la gorge. Et continuez strictement le même exercice des organes génitaux jusqu'à la gorge. À la gorge aussi, la main gauche serre un tout petit peu pour se concentrer. La respiration est ample, lente, puissante, dynamique. Avec saut, on descend avec hum, on sent les vibrations peut-être de plus en plus précises au centre des organes génitaux, au centre de la gorge. Et ces vibrations, comme une vibration qui toucherait l'eau, influencerait l'ensemble du corps. On a une colonne centrale et on a une grande bulle, le corps. Ce chaud, ce doux et ce bon est de plus en plus présent. De plus en plus profond. Dynamisé, électrisé par le saut. Câliné, aimé par le ham. Les respirations sont amples. Vont jusqu'au bout de l'inspiration, au bout de l'expiration. On peut rajouter des apnées tout en haut de l'inspiration, tenir quelques secondes, tout en bas de l'expiration, tenir quelques secondes au centre des organes génitaux et repartir de ce centre des organes génitaux. Arriver au centre de la gorge et du centre de la gorge, hum, descendre au centre des organes génitaux. Il y a la vibration du soham, mais il y a aussi les mains qui serrent, peut-être encore un peu plus. Et donc ce contact avec la chair, avec ce chaud, ce doux et ce bon. Comme si les vibrations du soham étaient au centre et que toute cette chair était touchée en périphérie de ce canal central, nourrie par la vibration, nourrie par votre présence, nourrie par votre respiration. Si vous sentez que votre corps tremble de temps en temps, s'il y a des à-coups, s'il y a des envies, s'il y a des plaisirs, s'il y a des pleurs, si ça s'exprime de quelque façon que ce soit, s'il y a des jouissances, des rires, des cris, des hurlements,
Laissez tout ça s'exprimer. Laissez tout ça sortir de vous. Laissez tout ça exploser, couler, jaillir de vous. Et continuez de serrer délicatement vos mains et de monter à l'inspiration et de descendre à l'expiration. Continuez d'augmenter la puissance et la conscience de votre présence à votre respiration, à vos organes génitaux et à votre gorge. Et bientôt, vous allez lâcher la main gauche et mettre vos deux mains sur vos organes génitaux. Laissez vos yeux aller en arrière comme si ils cherchaient à regarder l'espace intersourcilier ou le front. Laissez les yeux se concentrer sur le front. Continuez votre respiration de bas en haut, des organes génitaux jusqu'au centre du front. Avec le so en montant et le ham en descendant. La colonne centrale, la vibration, le chaud, le doux et le bon dans tout le corps. Et une forme d'ouverture qui apparaît au niveau du front. Serrez délicatement vos deux mains sur vos organes génitaux. Gardez bien en conscience ce centre-là, cette chair, ce désir, cette envie, cette puissance. Et dynamisez cela par votre respiration. Amenez tout ça dans votre corps, à l'inspiration. Faites monter toute cette énergie vers le front. Et à l'expiration, faites revenir tout votre être dans vos organes génitaux. Puissant, décidé, concentré. Des organes génitaux, du sexe, au front. Une respiration puissante, ample, à la fois dynamique et profonde, calme et puissante. Une ligne précise se dessine de vos organes génitaux au centre du front, comme si c'était une ligne tracée avec une aiguille d'acupuncture. On a toujours le chaud, le doux et le bon tout autour de nous. Serrez vos organes génitaux, encore peut-être un peu plus fort.
et laissez cette ligne centrale glisser vers l'arrière du corps sans perdre aucune des sensations, sans perdre l'inspiration ou l'expiration, montée et descente. Vous allez continuer de tenir les organes génitaux, le sexe, mais vous allez inspirer du coccyx jusqu'au sommet du crâne, en imaginant une ligne lumineuse, limpide, électrique, vibrante. Et comme si toute votre colonne partait en légère extension, tout votre corps s'ouvre. Toutes vos cellules sont légèrement électriques, vibrantes, comme si à partir des organes génitaux et du centre du périnée, un léger tremblement de terre se produisait et réveillait chaque cellule. Et à partir de cette puissance, une colonne de lumière vibrante, électrique, liquide, monte tout le long de l'axe central. Et bientôt, ceci n'arrête plus de monter. Il n'y a plus de redescente. Vous continuez de faire le saut et le ham, mais ça ne fait que monter. Vous tenez vos organes génitaux fermement. Vous sentez la chaleur, la vibration. À l'inspiration, ça monte du centre du périnée, du coccyx, vers le sommet du crâne. À l'expiration, ça monte du centre du périnée, du coccyx, jusqu'au sommet du crâne. Comme si cette colonne centrale n'arrêtait pas de monter, comme si le chaud doux bon n'arrêtait pas d'augmenter, la vibration, l'électricité, la lumière n'arrêtent pas de vibrer plus fort, plus puissant, plus profond, jusqu'à que le sommet de votre crâne s'ouvre, que toute la colonne centrale s'ouvre, que le périnée s'ouvre, et qu'au centre de vous, un espace infini s'ouvre. Et dans cet espace infini circule l'électricité, la lumière, la puissance. Et tout votre corps s'ouvre. S'ouvre à l'infini. Vibre et s'ouvre. Comme si vous étiez traversé par la puissance de l'univers entier, la puissance de la terre sous vous, la puissance de l'air autour de vous, la puissance des océans, la puissance de tout le règne animal dans votre chair, la puissance de toutes les étoiles au centre du crâne, au centre du cœur, au centre du bassin.
Imaginez toute cette lumière de toutes ces étoiles rentrer par le sommet du crâne et par le centre du périnée et vous traverser. Imaginez toute la puissance des océans. Vous traversez. Imaginez toutes les tempêtes passer au travers de vous. Tout votre corps vibre. C'est chaud, c'est doux, c'est bon, mais c'est puissant. Votre bouche s'ouvre, votre tête part en arrière, toute votre colonne vertébrale part en extension. Tout vibre. Tout est délicieux, tout est liquide. Vous n'êtes plus là. Cette énergie a pris le pouvoir, cette puissance consciente passe au travers de vous et a pris le pouvoir sur ce corps. Jusqu'à que tout explose, jusqu'à que tout se libère, jusqu'à que chaque goutte de mental est lâchée. Jusqu'à que vous ayez totalement lâché prise. Et au centre de vous, au centre de cette expérience, un vide apparaît, un vide d'une profondeur extraordinaire, un silence, une absence. Tout peut bien continuer de vibrer, de s'ouvrir, grandir. Au centre existe un espace pur, un espace totalement libre de sensations. Ici, c'est silence, aucune sensation. Ça peut dynamiser encore plus les vibrations dans le corps et dans la chair, dans la colonne vertébrale. Et on laisse faire. C'est jouissif. Et on existe en même temps dans cet espace où il n'y a rien. Silence. 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 Vous êtes passé par la chair. Vous avez approfondi le contact par la chair. Jusqu'au plus profond de vous et au plus profond de vous, vous rencontrez ce silence. Oh. Sat. Om. Om.
rester dans ce silence, dans ces vibrations, dans cette extase. Vous pouvez offrir à votre corps ce qu'il attend. Vous pouvez décider de revenir dans la dimension physique, revenir dans votre corps, revenir dans cette vie qui vous a permis de vivre cela.